You know it's family first. C'est Kino MC. Avant tout, je suis Daron, Marie, label manager, beatmaker, rappeur. Et je représente le 45 Orléans, Orléans Rap Shit. C'est là d'où je viens, c'est là où je vous accueille ce soir. Il s'est fait de rencontres tout d'abord avec des grands aujourd'hui disparus, repose en paix, qui m'ont mis sur les rails. Fredica, je sais que tu nous regardes ici, c'est aussi pour toi qu'on fait tout ce bordel. Mon parcours c'était d'abord la prod, puis ça m'a amené au MCing, et puis un bout de chemin parcouru avec un certain DJ de l'année. Mais bon, toi tu sais, je connaissais un faux frère qui s'est cramé. Et aujourd'hui, Keno MC revient en solo, rappeur, beatmaker aussi, avec un premier album en 2010 qui s'appelait Promesse. Voilà, pour planter le décor et présenter mon univers et tout ce que je vais proposer pour les années à venir, pour les auditeurs, qu'ils soient pas déçus, je tiendrai mes promesses. Il y a eu en fin 2010 un maxi qui s'appelle Fin de saison. Voilà, c'était pour clôturer cette période et dire qu'à partir de 2011, voilà, les choses vont plus être pareilles. Il y a des nouveaux mecs sur qui il faudra compter, qui vont peser lourd. Et je crois que ça a déjà commencé, si tu vois ce que je veux dire. All we need is faith to hear the Jesus humming. Don't need no tickets, we'll just thank the Lord. De me poser cette question. Ma vision du hip-hop, elle est claire. C'est un milieu où il y a que des postures, que des apparences, très peu de gros bosseurs, beaucoup de beaux parleurs, et au final beaucoup d'auditeurs qui restent en chien. Donc voilà, Keno MC, moi je l'annonce, je débarque là-dedans pour vous fournir de la qualité. Ma vision du hip-hop, c'est la vision d'un mouvement qui a besoin de leaders, qui a besoin de mecs qui charbonnent dur, qui balancent de la qualité. Après, t'aimes pas, mais voilà, on donne le maximum. Et ma vision du hip-hop, c'est ce sera un espèce de domaine où il y a tout à refaire, quoi, parce que malheureusement, les anciens qui avaient bâti des choses ont pas fait en sorte que les murs se fissurent pas et que les jardins soient bien entretenus. Ça a poussé dans tous les sens, ça s'est fissuré dans tous les sens. Donc ma vision du hip-hop, c'est voilà, c'est une espèce de terrain qui nous appartient avec un château fort de fou, et il faut le préserver. Dédicace à tous les mecs dans l'underground qui œuvrent pour ça, vous aussi Cosmic Hip Hop. Et voilà, je veux juste dire que Keno MC joue à ce jeu de façon très sérieuse, c'est clair et c'est net. Voilà ma vision du hip-hop. Au boulot les gars, c'est comme ça. Le rap aujourd'hui, c'est pas facile. Je pense qu'il faut se structurer mieux, travailler plus, apporter des albums de qualité pour convaincre les programmateurs de salles, et en attendant s'appuyer sur le réseau, sur internet, s'appuyer sur le public, parce que c'est eux qui nous font grandir et c'est pas les soi-disant considérations des soi-disant rappeurs. Moi je rappe pour les gens qui m'écoutent, je rappe pas pour les autres rappeurs,
Et voilà, donc le soutien, il est là où tu veux bien le trouver. Voilà ce que je crois, moi. Ken or MC. Je parle des choses simples, je parle de la vie, je parle de la mort, je parle des épreuves que tu dois essuyer. Je parle des échecs, des remises en question, des réussites aussi, des moments de gloire souvent très courts mais qui te permettent de voir plus loin et de te projeter. Au final je parle de toutes les épreuves par lesquelles passe un homme dans sa vie et qui font que lorsqu'il choisit d'aller à gauche ou à droite, ça devient quelqu'un de respectable ou de pas respectable. Voilà de quoi je parle de la vie, c'est ça qui m'inspire. Whose chances grow thin, but I know how to play. 23 février 2011, premier choix. 18 avril 2011, persistance mixtape avec Pauly Sanchez.